La collection Hightech Challengers, c'est Concorde, un avion de rêve qui tous les jours franchit l'Atlantique à plus de deux fois la vitesse du son. Autre magazine de la collection, le monde insolite des robots qui peu à peu nous envahissent un peu plus dans notre vie quotidienne. Hightech Challengers, c'est aussi le TGV et un voyage époustouflant à 515 km/h. La haute technologie en vidéo, c'est bien sûr l'espace et tous ces satellites qui gravitent nuit et jour au-dessus de nos têtes. Le Rafale, l'avion invisible français et bien d'autres hautes technologies sont aussi dans la collection Hightech Challengers. Nous sommes en avril 1995, sur le pas de tir numéro 3 de Kourou, en Guyane française. Un événement pour les Européens de l'espace, qui procèdent alors au premier lancement de leur toute nouvelle fusée, Ariane 5. Ariane 5, c'est une fusée polyvalente, de conception entièrement nouvelle, capable pendant 20 ans de répondre à la fois au formidable défi des vols habités, avec en 2002-2003 le lancement de l'avion spatial Hermès, mais aussi aux demandes du marché mondial des satellites. Avec la mise sur orbite par Ariane 5 de monstres de près de 7 tonnes, on est bien loin en cette fin de XXe siècle des 240 kg du satellite franco-allemand de télécommunication Symfony, qui au milieu des années 70 marquait la véritable naissance de l'Europe de l'espace. Der Satellit hier von der Erde den Abstand von 36.000 Kilometer hat. Symfony, c'est 10 ans après le lancement du premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik 1, le 4 octobre 1957, le véritable point de départ de la conquête de l'espace par les Européens. Pour les Français, l'espace s'appelle alors Amagir, dans le Sahara, leur centre de lancement. Diamant, leur fusée, et Astérix, leur premier satellite qui ne pèse que 38 kilos. Pour répondre au milieu des années 60 à la très forte demande en matière de télécommunications, la France et l'Allemagne décident de lancer en commun le premier programme européen de satellites de télécommunications. Ce sera le programme Symfony. En 1967, un consortium industriel franco-allemand est constitué. Il sera formé de 3 sociétés allemandes, MBB, Siemens et AEG. Et de 3 sociétés françaises, Aérospatiale, Thomson CSF et LaSat. Le consortium devra étudier, développer et construire un prototype et 2 modèles de vol. Le but essentiel du programme Symfony étant de permettre aux industriels des 2 pays d'affirmer leurs compétences dans le domaine des satellites de télécommunication, mais aussi d'expérimenter très largement les champs d'application et d'utilisation futurs de ce nouveau mode de transmission. Au début des années 70, les 2 modèles de vol sont prêts. Reste à trouver une fusée pour les lancer. Les Européens, qui ne possèdent pas encore Ariane, sont alors obligés de se tourner vers les Américains. Réponse de la NASA, d'accord, mais à la condition express de ne pas utiliser Symfony à des fins commerciales, mais seulement éducatives et expérimentales. En 74 et en 75, les 2 satellites prendront ainsi le chemin de Cap Canaveral et de l'espace. Malgré les restrictions d'utilisation imposées par les Américains, le programme Symfony va être un véritable succès technologique. Dès la mise sur orbite des satellites, les résultats dépassent toutes les espérances les plus optimistes. Pour la première fois en Europe, des programmes de télévision à caractère éducatif et pédagogique sont transmis de France et d'Allemagne à destination des pays d'Afrique noire comme le Gabon ou la Côte d'Ivoire. Symfony va permettre également d'établir plusieurs programmes de coopération avec divers pays désireux d'utiliser ces satellites. Ce sera le cas notamment avec l'Inde et l'Organisation de Recherche Spatiale, l'ISRO, ce qui nécessitera le déplacement en orbite d'un des 2 satellites Symfony 1 de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Symfony, c'est aussi désormais la possibilité pour les Européens de communiquer avec les autres continents.
Paul David, est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Apparemment pas. Bon, je vous entends maintenant que j'ai eu le signal du réalisateur. Malgré son aspect expérimental, Symphony aura permis aux industriels européens tels Aérospatial, Thomson CSF ou MBB de se préparer à l'ère naissante des télécommunications modernes, mais aussi d'acquérir une notoriété internationale, leur permettant de remporter des grandes compétitions mondiales, comme la série des Intelsat 5. Un drapeau américain flottant à Kourou sur le centre spatial des Européens, qui aurait pu imaginer cela quelques années auparavant? Nous sommes en 1983 et les Européens s'apprêtent à lancer avec Ariane le premier satellite international de la série Intelsat 5, un programme de coopération entre l'américain Ford Aerospace, le français Aérospatial et l'allemand MBB. Avant le départ d'Intelsat pour l'espace, comme pour tous les satellites, les ergoliers en scaphandre autonome vont remplir ces réservoirs d'hydrazine, le carburant qui va permettre, tout au long de la vie du satellite dans l'espace, de le maintenir à poste à 36 000 km par rapport à la Terre. Intelsat va ensuite être mis en place tout en haut d'Ariane, puis il sera enfermé dans une coiffe qui le protégera lors de la traversée des couches denses de l'atmosphère. Intelsat 5, c'est un monstre de près de 2 tonnes, ou comme un immeuble de 2 étages, capable d'acheminer simultanément entre 2 continents, 2 chaînes de télévision couleur et 12 000 circuits téléphoniques. En 25 ans, la masse des Intelsat va passer de 40 kg pour le premier, appelé Early Bird, l'oiseau du matin, à près de 4 tonnes pour la série actuelle des Intelsat 6, le prix des communications intercontinentales ayant été, pendant la même période, divisé par 20. Sur les 15 satellites de la série des Intelsat 5, qui permettent aujourd'hui encore les grandes retransmissions de télévision entre les pays du monde entier, 10 ont été lancés par des fusées américaines Atlas Centaur, 5 par Ariane. Permettre aux 21 pays de la Ligue arabe de communiquer entre eux de façon moderne, Arabsat, c'est un satellite de communication communautaire entre pays de même langue, de même culture et de même tradition. Construit à Cannes par Aérospatial, Arabsat, c'est une structure orbitale d'une tonne 2 au sol pour 600 kg en orbite, capable d'acheminer simultanément 8000 circuits téléphoniques et 7 programmes de télévision sur une zone soigneusement délimitée du globe terrestre, celle des 21 pays de la Ligue arabe. Arabsat, comme tous les satellites, doit répondre dès son intégration à toute une série de tests. Tests de vibration reproduisant les contraintes dynamiques que devra subir le satellite lors de son lancement. Tests de choc thermique afin de s'assurer que les structures seront bien capables en orbite de résister aux énormes différences de température entre le jour et la nuit. Ou tests de bon fonctionnement de l'alimentation électrique du satellite assuré par les 20 000 cellules des panneaux solaires. Une fois déclaré bon pour le service, Arabsat, comme tous les satellites, est mis en conteneur pressurisé, puis chargé à bord d'un avion cargo à destination de Cayenne. Il y rejoindra la fusée Ariane, chargée de le lancer, qui elle est arrivée en Guyane par bateau, en provenance de l'Europe où Ariane est construite. Enfin, c'est par convoi routier exceptionnel que le satellite va parcourir les 60 km qui séparent l'aéroport de Cayenne du centre spatial guyanais. Puis, nouveau test dans des bâtiments spéciaux à Kourou, afin de s'assurer une dernière fois du bon fonctionnement du satellite. Comme il s'agit pour ce tir d'un lancement double, c'est-à-dire de la mise sur orbite de 2 satellites par une même Ariane, Arabsat va être placé à côté de son compagnon de voyage, ici Brasilsat. Les 2 satellites vont être ensuite transférés en zone de lancement, où aura lieu pour la première fois la rencontre satellite-lanceur. Essai protégé sous leur coiffe, tout en haut d'Ariane, que les 2 satellites attendront l'heure du lancement. Sont ouverts. Une fois les opérations de lancement réussies, ce sera aux équipes d'exploitation et de contrôle de prendre en main Arabsat durant toute sa vie orbitale.
run a little secret. Sieht, diese Wolken erreichen morgen den Südwesten Deutschlands. Petite dépression gentille, quelque part au milieu de l'Atlantique. Con sulla nostra penisola dei grandi rasserenamenti. Ils resteront supérieurs aux normales saisonnières partout ailleurs. Here this morning. Les images météo de la Terre et de son atmosphère font désormais partie de notre vie quotidienne. Des images prises toutes les demi-heures par le satellite Meteosat, qui se trouve en permanence sur l'équateur à 36 000 km d'altitude au-dessus du golfe de Guinée. Des images transmises au centre des opérations Meteosat de Darmstadt en Allemagne. Images d'observation du disque terrestre dans la bande visible, mais aussi dans l'infrarouge, analysant plus particulièrement soit la vapeur d'eau qui entoure la Terre, soit les températures des terres, des océans et des nuages dans la zone de couverture. Les données brutes reçues à Darmstadt sont alors traitées de façon automatique afin de corriger les différentes déformations. Après analyse des images reçues, on calcule ensuite tous les paramètres permettant de les exploiter. On établit ainsi avec précision les éléments de base de la prévision, comme les vecteurs de déplacement des nuages, les températures de la surface des mers, l'humidité de la haute troposphère, les indices de précipitation ou l'analyse de la couche nuageuse. C'est aujourd'hui un des satellites européens de la série Meteosat qui assure en partie la veille météo des États-Unis. C'est l'organisation intergouvernementale EUMETSAT, dont le siège est à Darmstadt en Allemagne, qui exploite le système européen des satellites météorologiques opérationnels, Meteosat. Ce voyage dans l'espace de Meteosat et de deux autres satellites ici en juin 88 par la première Ariane 4 commence par la mise à feu des moteurs de la fusée. Une minute plus tard, c'est la séparation des deux propulseurs à poudre qui ont aidé au décollage des 417 tonnes d'Ariane, pratiquement le poids d'une rame de TGV. Deux minutes et demie après le décollage, c'est au tour des propulseurs, cette fois à carburant liquide, de se séparer de la fusée, toujours propulsée par les quatre moteurs de son premier étage. Séparation du premier étage et allumage du deuxième. Ariane est déjà à près de 100 km d'altitude. Après l'éjection de la coiffe, c'est le premier contact de Meteosat avec le vide spatial. Moins de 6 minutes après avoir quitté Kourou, séparation du deuxième étage et allumage du troisième qui va alors brûler pendant 12 longues minutes à l'issue desquelles aura lieu l'injection, ou si l'on préfère, la mise sur orbite. Le troisième étage d'Ariane et les trois satellites qu'il propulse se trouvent alors à près de 300 km d'altitude et 6000 km de Kourou, sur l'Atlantique, au-dessus du golfe de Guinée. Après avoir été mis en rotation et 20 minutes après son départ de Kourou, Meteosat est alors définitivement libéré. Puis ce sera au tour du deuxième, ici AMSAT, un petit satellite pour radioamateurs. Le troisième étage va alors continuer son balai dans l'espace afin d'éviter toute collision avec PanAMSAT, un satellite de télécommunication américain. Ariane a terminé sa mission et c'est maintenant aux stations sol de contrôle des satellites de jouer. Dix ans après avoir lancé ensemble le programme Symphony, Français et Allemands décident en 1981 de coopérer une nouvelle fois à la réalisation d'un programme de deux satellites aux caractéristiques communes, TDF pour la France et TVSAT pour l'Allemagne. Un programme de satellites de diffusion directe d'images de télévision utilisant la norme D2MAC, plus performante que les standards actuels, PAL ou CECAM, gage d'une qualité d'image et de son jusqu'alors inconnue.
C'est la construction de satellites de conception modulaire qui est alors décidée par le maître d'œuvre Eurosatellite, une filiale commune d'Aérospatial et d'Alcatel Espace pour la France, de MBB, ANT et AEG pour l'Allemagne et ETCA pour la Belgique. En octobre 88, après bien des discussions au sein de la classe politique française, TDF1 prendra le chemin de l'espace. Attention pour décompter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Allumage. Décollage. 20 minutes après avoir quitté Kourou, TDF1, comme tout à l'heure Météosat, est maintenant en orbite sous les ordres de la station Sol, chargée de le contrôler. Pour TDF1, ce sera le centre de contrôle du CNES de Toulouse qui devra le surveiller nuit et jour, et cela pendant une dizaine d'années, la durée de vie du satellite. C'est du Sol qu'on va donner l'ordre par télécommande au satellite de déployer ses panneaux solaires, puis à plusieurs reprises, d'allumer son moteur d'apogée, afin que son orbite ne soit plus une ellipse, mais qu'elle décrive, dans l'axe de l'équateur, un cercle parfait à 36 000 km d'altitude au-dessus de la Terre. TDF1 rejoindra alors seulement son orbite, appelée géostationnaire, car tournant à la même vitesse que la Terre, TDF1 semblera comme immobile dans le ciel. Ordre sera alors donné de l'ouverture complète des panneaux solaires, fournissant l'énergie au satellite, qui jusque-là vivait sur celle de ses batteries. Puis, TDF1 sera stabilisé sur ses trois axes, dernière opération avant l'ouverture et le réglage précis des antennes d'émission et de réception du satellite. Après de savantes manœuvres de dérive, TDF1 sera parfaitement stabilisé à 19 degrés ouest sur l'équateur. Seulement alors pourront commencer les premières transmissions d'images de télévision. Il se sera pratiquement passé un mois depuis le départ de Kourou de TDF1. TDF1, TDF2 et TVSAT sont aujourd'hui tous en orbite, ainsi que TéléX, leur frère jumeau réalisé pour les pays nordiques. TDF1, TDF2, c'est la réception directe d'images de télévision de très haute qualité, une image cinéma beaucoup plus grande, au rapport 16/9, et aussi plusieurs canaux sonores permettant la stéréophonie ou l'écoute des programmes dans la langue de son choix. C'est la télévision haute définition venue de l'espace. Bonjour Annie, est-ce que vous pourriez me passer Françoise, s'il vous plaît? Les télécommunications spatiales à l'échelle européenne, c'est l'affaire d'Eutelsat, dont le siège et le centre d'exploitation se trouvent dans la tour Montparnasse à Paris.
Son centre de contrôle est à Rambouillet. Eutelsat, l'organisation européenne de télévision par satellite, compte aujourd'hui 28 pays membres. Les satellites de la série Eutelsat 2, de deuxième génération, actuellement en orbite, sont des satellites de très forte puissance, capables d'acheminer simultanément 17 000 circuits téléphoniques ou 16 chaînes de télévision, sur une très large zone de diffusion dépassant les limites du bassin méditerranéen. Tout comme TDF, Eutelsat 2 est de conception modulaire, une sorte de mécano spatial qu'on peut modifier en fonction de la demande des clients. C'est ce qu'ont fait les industriels du programme européen pour Turksat en proposant à la Turquie un satellite de télécommunication directement dérivé d'Eutelsat. Organisé autour d'un tube central qui assure la rigidité de l'ensemble et abrite les réservoirs de carburant, un satellite de type Eutelsat 2, c'est une sorte de plateforme modulaire constituée de systèmes spécialisés pour la régulation thermique, la propulsion, la télémesure et la télécommande, le contrôle d'attitude et d'orbite, sans oublier les deux immenses panneaux solaires pour l'alimentation électrique du satellite en orbite. Un satellite de type Eutelsat 2, c'est une masse de près de 2 tonnes, dont 800 kg de carburant lui assurant 8 à 10 ans de vie, un cube de 2,50 m de côté, recouvert d'une sorte de couverture dorée, sur lequel viennent s'accrocher de part et d'autre deux grandes ailes de plus de 20 mètres d'envergure. Dernière pièce vitale d'un satellite de télécommunication, le répéteur et les deux antennes, sorte de grands miroirs qui permettent de recevoir les signaux des stations de télévision, de les amplifier avant de les réexpédier vers la Terre à destination des téléspectateurs. En fonction de la demande, Eutelsat 2 peut par un faisceau large couvrir l'ensemble du continent ou par un faisceau de grande puissance concentrer son rayonnement sur l'ouest et le centre de l'Europe. Eutelsat 2, c'est pour les années 90 un programme de 6 satellites permettant aux Européens de communiquer entre eux. Scruter le ciel aux confins de l'univers, c'est la mission d'ISO, un satellite scientifique d'observation dans l'infrarouge qui, compte tenu de la précision demandée aux optiques, nécessite plus que tout autre, pour son élaboration, des précautions draconiennes de propreté. Un lieu plus propre que n'importe quel bloc chirurgical, la moindre poussière sur un miroir ayant des conséquences catastrophiques pour les observations futures. Pour détecter les très faibles émissions infrarouges des sources lointaines de l'univers, le télescope d'ISO devra être en permanence refroidi aux limites du possible, à moins 270 degrés, à 3 degrés Kelvin, proche du zéro absolu. Une observation de la matière froide de l'univers, les planètes, astéroïdes, poussières des systèmes stellaires et des milieux galactiques, ou enveloppes d'étoiles. Un monde jusqu'alors inaccessible aux télescopes traditionnels, dont la vision est irrémédiablement perturbée par l'atmosphère terrestre. Scruter l'univers invisible, c'est le rôle d'ISO, un satellite développé par Aérospatial pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Toutes ces technologies, développées notamment en matière de qualité des moyens optiques de détection, permettent désormais de faire Helios, le premier satellite d'observation militaire français, qui servira également à l'Italie et à l'Espagne. L'observation de la Terre par satellite à des fins civiles ou militaires est devenue aujourd'hui, pour les puissances spatiales, une obligation. Directement dérivé de Spot, qui de son orbite située à 850 km au-dessus de la Terre peut voir des détails de 20 mètres de côté en couleur et de 10 mètres en noir et blanc, Helios, dont le pouvoir de résolution est classifié « secret défense », aura, sans aucun doute, une vue encore plus perçante. On parle d'identification de l'ordre de quelques mètres. Helios, tout comme Spot, aura une orbite polaire, c'est-à-dire qu'il surveillera en permanence la Terre en passant par ses deux pôles, analysant au sol les moindres mouvements. Observations optiques
puis d'ici la fin du siècle, observation radar ou par infrarouge. La deuxième génération d'Hélios pourrait être ainsi opérationnelle de nuit comme de jour. Avec la sonde Huygens, du nom de l'astrophysicien qui en 1656 a découvert l'anneau de Saturne, c'est le monde fabuleux des satellites d'un autre genre. Celui des sondes interplanétaires, dont la mission est de parcourir l'univers dans le seul but de faire progresser la connaissance. Après un voyage de 7 ans à bord du véhicule spatial Cassini réalisé par la NASA, la sonde Huygens sera littéralement éjectée de Cassini et dirigée vers Titan, le plus gros des 17 satellites naturels de la planète Saturne. Titan, une sphère orange encore bien mystérieuse de 5000 km de diamètre. À l'approche de la haute atmosphère de Titan, la sonde Huygens, dans sa course vertigineuse, sera alors freinée avant de poursuivre sa descente au bout d'un parachute. Avant de s'écraser sur Titan, Huygens n'aura alors que quelques heures pour décrire ce monde qu'on pense aujourd'hui glacé, à l'atmosphère opaque, mais dont la composition pourrait être voisine de l'atmosphère primitive de la Terre. Pendant toute la mission de Huygens, le véhicule spatial Cassini restera en orbite autour de Saturne, servant ainsi de relais vers la Terre aux informations recueillies par la sonde pendant sa descente vers Titan. Le départ de la planète Terre pourrait avoir lieu en novembre 1995 pour un atterrissage sur Titan au début de 2003. Le monde fabuleux des satellites, c'est enfin celui des vaisseaux spatiaux habités, en orbite basse, évoluant entre 300 et 500 km seulement de la Terre. Si aujourd'hui seuls les Soviétiques à bord de leur station orbitale Mir vivent en permanence dans l'espace, demain pour le reste du monde, l'avenir s'appelle Freedom, la station orbitale internationale de la fin des années 90. Pour les Européens, l'espace habité, c'est Columbus, le laboratoire orbital auquel viendra s'arrimer de temps à autre Hermès, l'avion spatial chargé de transporter hommes et matériaux vers ces stations du futur. Des infrastructures spatiales en orbite, appelées MC, évoluant à la vitesse de 30 000 km/h par rapport à la Terre, qui auront leur zone de travail, de repos et de loisirs. Pour assurer la sécurité des citoyens de l'espace, on a même imaginé une sorte d'ambulance ou véhicule d'urgence, capable de rapatrier très rapidement sur Terre ces voyageurs au long cours. Ces véritables cités du ciel du troisième millénaire, sorte de villes satellites de la banlieue de la Terre, deviendront alors les stations-service des sondes interplanétaires, des relais spatiaux, abritant le temps d'une étape, leurs équipages en route pour d'autres planètes. En 2010, ces immenses satellites de la Terre pourraient être le point de départ des hommes partant établir des colonies permanentes sur la Lune. Et 10 ans plus tard, en 2020, ils pourraient voir passer d'autres hommes en route vers la planète Mars.